Et le témoignage que je fais, je voudrais le commencer par la fin. Par la fin, c'est tout à l'heure lors de l'enseignement, je peux appeler cet enseignement, la prédication du pasteur, il a dit quelque chose. C'est que les Camerounais, les chrétiens camerounais ne croient plus ou ne croient pas aux serviteurs de Dieu camerounais. Ils préfèrent s'abandonner aux serviteurs étrangers. Mais je voudrais dire quelque chose que le degré de foi que j'ai m'a permis de voir en lui. La personne qui m'a amené ici assise, c'est l'ami de mon épouse. Au niveau de mon service où j'occupais le rang de directeur, on m'a demandé de faire quelque chose qui ne cadrait pas avec la déontologie du métier. Et j'ai dit non, je ne peux pas le faire. Je vous assure que ce n'était pas par derrière. Le président du conseil d'administration m'a dit, noir et blanc, que si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre nous. Donc ça va, à partir de maintenant, on sait où te placer. Cela n'a pas pris une semaine. On m'a porté plainte à la brigade de la lutte contre la grande criminalité. Comme dans un film de rodéo, je me suis retrouvé à Newbert. Voilà ici mon bulletin de levée de fou. C'est-à-dire que je ne raconte pas des histoires. J'ai été en prison à cause d'une fausse accusation. Mon employeur pensait peut-être, parce que je suis un juriste, dans le code pénal, on dit que lorsque vous commettez un crime, et c'était la raison pour laquelle on m'a envoyé à la brigade de la lutte contre la grande criminalité, pour que ce soit considéré de plus comme un crime, on m'envoie à Newbert. Donc, on a le droit de vous détenir, de vous mettre en détention provisoire pendant 6 mois, renouvelable 2 fois, ça veut dire que vous pouvez passer 18 mois sans qu'on vous regarde. À Newbert, dans un délai, c'est-à-dire qu'ils attendent le 18e mois pour être jugé. Grâce à Dieu, j'ai seulement passé là-bas 3 mois, au lieu de 6 qui étaient mentionnés sur mon premier mandat de détention. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gros sac, là où j'avais tous les éléments de pour pouvoir me justifier, le sac a disparu. Le sac disparaît, je viens donc ici, je viens rencontrer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu me dit que le sac est là, que je vais le retrouver. Je me retrouve pratiquement à 2 jours de l'audience. J'avais déjà imaginé un scénario fou, c'est-à-dire qu'ils vont trouver que je n'ai pas d'argument pour me défendre puisque je n'aurai pas de justification. C'est ce jour-là, dimanche, l'audience avait lieu mardi la semaine dernière. On avait déjà, avec tous mes enfants, on a remué toute la maison. On ne retrouvait pas les documents. C'est le dimanche, là, après-midi, vers la fin de la soirée, que je ne sais pas, comme on dit, de manière négligente, je suis allé dans la chambre des enfants. Là où je ne devais plus fouiller, c'est là où j'ai aperçu le bout de ce sac et que j'ai pris le sac. Je peux vous assurer que j'étais tellement content, j'ai appelé papa le même jour pour lui dire que il y a aucun. La promesse est toujours faite. Qu'il y a aucun. Mais il m'avait dit que je vais retrouver le sac parce que le Saint-Esprit atteste, il avait dit ça, le Saint-Esprit en train d'attester que le sac est là. Je l'ai retrouvé. Après l'audience, le mercredi, l'audience avait lieu mardi. Le mercredi, je suis venu ici pour lui montrer le sac. C'est pour ça que je dis, comme il dit, ce qui amène souvent les chrétiens à ne plus croire, c'est parce que les gens donnent tellement de fausses prophéties, mais je ne sais pas pourquoi. Dès que je suis entré ici, j'ai cru en lui. Dès qu'il a dit que je vais retrouver le sac, je n'ai pas douté. Même quand on était à 2 jours, la preuve, si j'avais douté, je n'aurais pas continué à chercher. Mais j'ai cherché et à moins de 2 jours, j'ai trouvé le sac. Donc ce que je dis, je confirme, il faut qu'on ait foi, qu'on ait foi aux hommes de Dieu que Dieu a établi ici en terre camerounaise. Ce n'est pas seulement les étrangers qui ont reçu l'onction. Les hommes de Dieu d'ici ont l'onction. La promesse est toujours. Je vais terminer mon témoignage pour dire ceci, que même le mardi là on est arrivé, le nouveau scénario c'est que le représentant de la société n'est pas là, ils ne sont pas venus. Mais je peux vous assurer, j'ai la ferme assurance avec Dieu que ce procès-là, ils vont le faire. Parce qu'ils n'ont pas d'éléments. C'est une fausse accusation. Or, moi, maintenant, j'ai retrouvé les éléments, j'ai donné une partie au pasteur et je suis sûr
avec l'aide du Dieu, le Saint-Esprit, je vais gagner ce combat. Je prie que la justice, ça sera en votre faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm called Ayom Benjamin. I was here one Sunday and the man of God prayed to me. He prayed for me. I used to have a hand ache. This is my right hand. I've got you to foreign country, as he was rightly saying. Now in the ignorance of men or our men of God here in Cameroon, I will go out instead of God. See my CV, allow God here, and I'm looking for God elsewhere. Crossing God to look for God, he cannot go. So when I arrived at the foreign country where I was, they told me that my situation of this hand is well known by God, and God knows why the situation is there. So when I came back here, I was opportune to know this place by my wife. She brought me here, and when I arrived here, the man of God prayed for that hand. We used to ache. Let that pain cease. Any pain on your left arm, let it cease. Ouch! The pain is gone. I saw it went out of my feet. The pain is gone. You'll come to your testimony. And from that day that I received that prayer, I'll not be receiving that hand ache again. So I appreciate and know God for Master Jesus. Then secondly again, Wednesday I was here with two problems. My wife who showed me this place, she was supposed to come here for a deliverance. She never liked to come, I don't know why. And I came to complain. The man of God said to me, go and keep on praying. As I was going back, our pastor there, he gave me 3 days fasting. And I respected the 3 days fasting. Thursday I started. The man I've been working for, doing painting on his, for his house and doing some electrical work, he was supposed to pay me, which I declared part of the money to pay my house. And the time I was going to take that money, that man refused to pay me. And when I came back in my house, I prayed badly against that man. The next morning I went there, the man said he had a motor accident. I felt bad because it's not good to pray bad against your enemy. As I left the place, I went back, continuing in the fasting. I prayed again that God should save this man, let this man not have a problem again. Then, on my way to go and ask this money again one evening, I said to myself in the way when I was fasting, I said to myself in the way, how will I even have chance not to come here? As I arrived at that man's house, my phone rang. Somebody called me, where are you? I said, I'm around forever. He said, you are highly needed in CIMAF company, the new cement company in Conakry. You are highly needed there. I said, what for? He said, just come and see. And I went there. The Lord offered me a job. It was just a 2 days job. You know what a technician can do. It was just a 2 day job. And God gave me strength, energy, and power to succeed doing this job in a good manner that I know they will still be needing me there. Then secondly, the money I was crying for, the one that man was holding, I don't even take care about the one. I forgot about the one to that man. But God has provided me another money, solving the same problem I was crying for. So I want people of God to thank God for me. Put your hands together for Master Jesus. Brother, you say you were praying. You prayed because you needed money to come to church. I prayed because I asked God, how will I even have transport to come here? The God provided me even the money for the house which I was hoping the first person to pay. God provided the money. And the landlord collected the money this morning. Can we clap for Master Jesus? So what is your advice to our viewers? My advice to the viewer is this. A man can be sick like Job, but yet be a friend of God. Be a candidate of heaven. No matter your situation, don't give up.